Je reprends. La saison Africa 2020 est une invitation à regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain. Elle est un laboratoire de production et de diffusion de savoirs et d'idées. Co-construite par des professionnels africains, en partenariat avec des structures françaises, elle est la caisse de résonance d'agents du changement, le socle d'un idéal collectif d'émancipation politique, sociale, économique et culturelle, porté par des peuples confrontés aux mêmes défis en terre africaine. La saison Africa 2020 est bâtie autour de 13 enjeux majeurs du 21e siècle. Diffusion des connaissances, réseaux sociaux, innovation technologique, redistribution des ressources, flux financiers, émancipation économique, histoire, mémoire, archives, circulation des personnes, des idées et des biens, territoire, conscience et mouvements politiques et citoyenneté. Cette saison est un projet panafricain et pluridisciplinaire centré sur l'innovation dans les arts, les sciences, les technologies, l'entrepreneuriat et l'économie. Elle est structurée autour de trois piliers, des quartiers généraux, un focus femmes et un volet éducation. Cette saison, qui place l'humain au centre, est dédiée à la jeunesse. Cette saison hors norme s'est déroulée dans un contexte inédit. Si la Covid-19 nous a donné du fil à retordre, en 10 mois, nous avons réalisé plus de 1500 projets dans 210 villes en France métropolitaine et ultramarine, en partenariat avec 422 organisations en France et 489 en Afrique. La saison Africa 2020 a rassemblé plus de 4 millions de spectateurs et je les remercie chaleureusement. Les quartiers généraux Africa 2020 sont des centres panafricains temporaires, des ruches de fabrique de récits et d'imaginaires avec une programmation pluridisciplinaire sur plusieurs semaines. Il y en a 12 dans différentes régions de France. Cette saison embrasse tous les champs de l'activité humaine autour de 13 questions majeures. Culture et idées regroupent les arts visuels, le spectacle vivant, le film, la littérature et les débats d'idées. L'art de vivre regroupe la gastronomie, la mode, le design, l'architecture et les sports urbains. La recherche et l'économie regroupent les sciences, les technologies et l'entrepreneuriat. La saison Africa 2020 est également une plateforme d'apprentissage et de production participative de connaissances et de savoirs. Le volet éducation a été mis en place avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'UNESCO et France Volontaire. Il comprend 350 projets pédagogiques et 11 jeunes Africains qui ont effectué leur service civique en France auprès de structures partenaires. Le Focus Femmes est dédié à plus de la moitié de la population du continent africain. Des professionnels africains ont conçu des projets qui amplifient la visibilité des femmes d'Afrique et de sa diaspora récente. Nous avons 30 Focus Femmes dans les arts, les sciences et l'entrepreneuriat. Si la saison Africa 2020 tire officiellement sa révérence ce 30 septembre 2021, tout comme moi d'ailleurs, cette aventure humaine n'est pas terminée. Une nouvelle page s'ouvrira demain, car cette saison n'est qu'un chapitre de la longue histoire d'un mouvement panafricain global
dont nous sommes les héritiers et les artisans. Nous sommes des passeurs et des émetteurs de courants de pensée qui, depuis des siècles, inspirent et impactent des esprits créatifs sur tous les continents. Donc je vous dis à bientôt.